Salut, salut à tous et bienvenue, c'est Coach Nico et bienvenue pour ce dernier épisode de la saison 2. Ça y est, on y est, c'est le moment fatidique, savoir si déjà premièrement si on va monter ou non et deuxièmement savoir si on va être champion ou non. Donc voilà, il reste plus que 2 matchs. Donc, à savoir que lorsqu'on s'est quitté, j'ai fait un match amical contre Trefonen à domicile, que j'ai gagné 2 buts à 0. J'ai fait aucun changement sur ce match-là. J'ai voulu vraiment que l'équipe type joue le match ensemble et que aucun remplaçant rentre en jeu. J'ai voulu vraiment que les joueurs jouent 90 minutes à fond. Et donc, du coup, on se rejoint pour Prestein. Prestein 12e et puis on jouera ensuite Bors qui est 14e. C'est sur le match de Prestein qu'on va savoir si on va monter ou non, clairement. Et ensuite sur le match de Bors, savoir si on va être champion ou non. Voilà. Voilà un peu le programme d'aujourd'hui. Il y a beaucoup de pression. J'espère sincèrement qu'on montera. En termes d'interview, c'est que j'ai pas trop l'habitude parce que vous savez que j'ai l'habitude de prendre des clubs amateurs et là on sent qu'il y a quand même un enjeu et j'ai répondu à pas mal d'interviews donc du coup ça en plus je sais très bien que les interviews par rapport à ce que tu dis ça peut avoir un impact sur ton groupe ou sur la façon de jouer de ton effectif donc du coup j'ai essayé de répondre au mieux et voilà donc on y est. J'espère sincèrement qu'on montera, parce que j'ai envie de continuer cette carrière avec Surestock, étant donné que c'est ma première carrière en streaming avec ce club, j'ai vraiment envie d'aller très très loin avec ce club. Donc voilà, donc on y est. On va jouer contre une équipe assez regroupée en défense, 4-5-1. Donc une équipe qui est 12e, qui a réussi à faire un match nul quand même contre Habermühl. Donc il faudra quand même se méfier. Habermühl qui a du mal à terminer la saison, clairement, par rapport à ses prestations d'avant, elle est quand même assez poussif. Et nous, on est quand même à fond de balle. Donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. En termes de tactique, la largeur, on est maintenant très au fait, on est au maximum. Au niveau du tempo également. Et au niveau du marquage également. Donc on commence vraiment à connaître parfaitement la tactique de jeu. Et voilà. Donc j'espère sincèrement que sur ces 2 matchs amicaux, sur ces 2 matchs de championnat qui restent à l'extérieur, on prendra le maximum de points. Voilà, donc on y est. On va sûrement répondre sûrement à une interview juste avant le match. Voilà. Alors, votre équipe pourrait être couronnée championne aujourd'hui si certains résultats vous sont favorables. Êtes-vous confiant avant le coup d'envoi? Nous sommes concentrés sur ce match et rien d'autre. Nous ne sommes pas encore champions et il ne serait pas raisonnable de regarder ailleurs alors que nous avons une rencontre à disputer. Votre équipe est en forme avant cette rencontre, ce qui n'est pas le cas de votre adversaire. Ne craignez-vous pas un peu de suffisance de la part de vos joueurs? Je n'ai aucune inquiétude à ce sujet, nous nous sommes préparés de manière très professionnelle et nous serons au rendez-vous. On parle beaucoup de l'avenir de Rhys Black cette semaine, avec des consultants très critiques et des supporters qui commencent à perdre patience avec l'entraîneur de Bors. Comment voyez-vous les choses? Rhys Black est un entraîneur de très grande classe. Certaines critiques sont totalement déplacées. Voilà. Allez, c'est parti. On a répondu à l'interview. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Et je sais que vous pouvez faire mieux. Allez, c'est parti. C'est sur ce match-là qu'on va savoir si on monte ou pas cette année. Si on va se retrouver en Ligue 1 de Midwallès. Ou non. Match extrêmement important. Ah
Alors attention, Bromley Blackburn qui se loupe. Allez, bon coup franc pour Prestein. Jardine, Richards, Keogh, Burton, Richards, attention. Là 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 là, ça commence très très mal. Ça commence très très mal le match. On perd un but à zéro. On perd un but à zéro, on commence très très mal. La défense qui est pas du tout. Le gardien qui est à la rue aussi. Ben, ça pouvait pas plus mal commencer. Allez, on va encourager avec calme. Bonne touche bien placée, Hutton, ouais, Hall, Graham, oh là là, putain, un gardien qui nous sort un arrêt de fou. Ah, il faut impérativement accrocher quand même un résultat ici. Allez, Hall, la tête, Hutton qui va pouvoir récupérer la balle. Et un ballon pour Hall. Allez, bon coup franc, Hall, récupéré par Graham, c'est contré par un de nos joueurs. Pas de pénalty. Non, pas de pénalty signalé par l'arbitre. Toujours un but à zéro. On court après le score. Burton, Keogh, Richards. Allez, on récupère Brown. Hall. Long ballon au-dessus de la défense pour Graham. Graham qui évite le tacle. Encore un superbe arrêt du gardien. Et Graham qui se blesse. Grosse blessure apparemment. On va confirmer. On va demander. Je crois en vous. Attention, beaucoup franc. McDowell qui dégage, pas pour longtemps. Allez, toujours un but à zéro. Allez, faut aller dessus, faut aller dessus. Allez, faut rien lâcher. Allez, allez, Taïwan. T'as pu rater. Non, c'est à côté. Ce que les autres équipes font. Pour l'instant, on est deuxième, à un point seulement de Penny Brandt. Allez, 35e minute de jeu, ce serait bien d'égaliser maintenant. Sheppard, Evans Vickers, Hilton, Rich. Bromley Blackburn qui dégage là-bas pour Simons, ça va être récupéré tranquillement. Sheppard au-dessus de la défense, non, 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 ça passe pas. Allez, on va demander à l'équipe beaucoup plus. Allez, Pritch qui récupère. Blackburn, Trin, Hutton. Gardien qui aurait pu aller dessus. Non, 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 non. 2-0, c'est la catastrophe. C'est une catastrophe pas possible. On perd notre place de leader. On perd 2-0. Là, c'est vraiment la catastrophe. Allez, c'est pas récupéré. Davis. Bon dégagement pour le gardien. Le gardien, attention. Allez, allez, McDowell, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer, il faut marquer. Punaise. Ah, ça aurait été bien de réduire le score avant la mi-temps.
c'est dégagé. Hutton. Oh là là, putain. Bon, scénario un peu catastrophe. Il faut vraiment encourager les joueurs. C'est pas maintenant qu'il faut les mettre dans le trou, il faut vraiment les encourager. Allez, on est toujours deuxième. Sheppard, Creech, Bromine et Blackburn, Creech. Non, c'est pas avec des ballons comme ça qu'on y arrivera. Simons. On est derrière, Sheppard. Putain, c'est pas possible. Ah non, et là, Sheppard, faut qu'il arrête, là, sérieusement. Là, faut qu'il arrête, Sheppard. Il fait que des passes de merde. Non, c'est pas possible, hein. Hutton, Evans Vickers, McDowell, Simons. Hutton. Allez, il faut la mettre. Il faut la mettre au fond, il faut la mettre. Non! Putain, c'est pas vrai! Mais c'est pas possible ça! Je vais effectuer tout de suite un changement. Je vais mettre Price à la place de Ryan Hall. Allez, il faut aller chercher quelque chose ici. Même un match nul. Même un match nul, ça serait bon, mais... Jardine. On n'arrive toujours pas à faire quelque chose. Apparemment, Abernil perd. Abernil est en train de perdre. On récupère notre première place. Les Brand, Hutton, Evans Vickers, le tir. Il faut vraiment faire quelque chose. On va faire rentrer Robbery à la place de Hutton, peut-être. Allez, Creech. Creech le centre. Ah, c'est dégagé. Allez, avec calme. Demandez plus. Sheppard. Cool. On s'est récupéré. McDowell qui va lancer Price. Price qui vient de rentrer. 2 buts à 1, allez, c'est parti, il reste plus que 15 minutes de jeu, il y a encore la place pour en mettre un. Allez, il y a encore la place pour en mettre un. Price qui fait une très très bonne rentrée. Ah, si on revient à 2-2, ce serait vraiment magnifique. Allez, il reste 15 minutes. On va faire pause. Très fluide. Là, on n'a plus rien à perdre. Allez, c'est parti. Allez, un bon coup franc. Bon coup franc, quelque chose. Allez, faut faire quelque chose, hein. Prenez plus de risques. Décrochez de vos postes. Exprimez-vous davantage. Plus de pression, peut-être. Voilà, ok. Il nous reste 4 minutes avec le temps additionnel. Price le centre. Oh, okay, ça passe pas. Allez, Creech qui va récupérer. Creech qui récupère. Il reste 3 minutes de jeu. Bromilé. Robbery. Crin là-bas pour Price. Est-ce que ça va passer? C'est un corner. Allez, corner. Non, ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas.
causerie de l'équipe, assuré, portez-vous à l'attaque. Allez, Sheppard, allez, un beau centre. Non, 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 non. Aïe, 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 il reste 1 minute. C'est récupéré. Brand, Robbery, Vickers. Est-ce que ça va passer? Non, 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 non. 30 secondes. Ouais, ça, à mon avis, on va terminer là-dessus. Peut-être une dernière action ici, Robbery. Non. Oh là 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 là. 2-1. Là, clairement, vous n'avez pas été à la hauteur. Là, il faut être franc avec eux. On garde notre place de leader. Il ne reste plus qu'une seule journée. Et on peut soit être troisième, donc c'est-à-dire scénario catastrophe à la dernière journée, scénario catastrophe, ou alors être deuxième, ou alors premier. Voilà. Donc là, ça va jouer à une victoire. Ça va jouer à une seule victoire. On joue contre le dernier. Tout va se jouer sur la dernière journée. On aura eu un championnat vraiment Graham qui sera fracture du pied, donc il sera pas là. Absent 4 à 5 mois par montant des soins estimés. Hein, absent 4 à 5 mois, donc le traité plus au club. Conférence de presse. La belle série d'invincibilité de shortstop face à Preston a pris fin, c'est une grosse session pour vous. Je me fiche pas mal de cette statistique. Êtes-vous d'accord pour dire que Luke Keogh était le meilleur joueur sur le terrain aujourd'hui? Je ne veux pas contre. Ok. Donc là, étant donné qu'on est sur le fil rouge, c'est les dernières journées et que c'est, je veux garder quand même cet état d'esprit de pression pour rester premier, je ne vais pas couper la vidéo. Habituellement, je coupe la vidéo parce qu'il reste des matchs et tout ça. Là, je vais garder cette vidéo-là et on va continuer. Ouais, c'est clair que je veux une réaction, hein, c'est sûr et certain. Donc Damien Graham, on le perd. Ross McDowell, je vais le mettre ici. Je vais faire monter Rhys, notre jeune qui est arrivé cette année, pour être remplaçant. Hop, voilà. Donc voilà, là c'est. On ne pouvait pas faire plus en niveau de l'intensité, au niveau du stress et tout ça, parce que là franchement ça joue vraiment plus à grand chose. Ça joue entre Penny Bond, Abermule et moi. Donc là franchement, ça aurait été serré vraiment jusqu'au bout. Ouais, ça aurait été vraiment serré jusqu'au bout. Donc au niveau du match de gala, donc comme vous le savez, tous les fins de saison, je fais un match de gala. Donc la saison dernière, on a joué contre l'équipe U23 de Liverpool. On avait perdu 6-0, je crois. Là, cette année, ça devait être Manchester United. Mais étant donné que je pouvais mettre ce match que entre l'avant-dernière et la dernière journée de championnat, et étant donné que je joue la montée cette année, je ne pouvais pas me permettre de casser comment dire ça, le dynamisme du groupe, enfin la truc du groupe, quoi, le moral du groupe et tout ça. Du coup, j'ai préféré ne pas faire de match de gala
en cette fin de saison, mais je ferai ce match de gala en match de préparation, dernier match de prépa en match amical. Voilà, donc je le ferai à ce moment-là, la saison prochaine, si bien sûr je me loupe pas sur cette dernière journée de championnat et que je suis pas viré en même temps. Voilà. Donc là, cette fois-ci, cette vidéo, elle durera un tout petit peu plus longtemps. Étant donné qu'on va... Donc là, c'est un nouvel entraîneur pour notre équipe réserve. Ouais, donc étant donné que y a deux matchs à jouer, que je coupe pas la vidéo, et qu'il faut faire également un bilan de cette fin de saison. Donc du coup, la vidéo durera un tout petit peu plus longtemps. Carnot et Jansson Fuad qui se laissent sur 0-0. Bon, je vais quand même regarder la forme de mon effectif. Non, un match amical, c'est pas la peine. Price, je vais le laisser. Jansson Fuad. Donc Darcy Brown qui était suspendu, on va le mettre à la place de Billy Evans Vickers. Billy Evans Vickers à la place de Rhys Robbery. Rhys Robbery en R6. Réserve. Robert Rhys effectif dispo pour jouer en équipe réserve. 60 minutes. Billy Evans Vickers pareil. 60 minutes. Par contre, Darcy Brown effectif. 45 minutes. Voilà. Hop. Bon, 60 minutes, c'était peut-être un peu trop. Non, 45, je pense que c'est pas mal. Continuer. Continuer. Donc l'inconvénient pour le dernier match de championnat, c'est qu'on perd notre meilleur buteur. On perd notre meilleur buteur. Mais bon, on a quand même McDowell. Donc ça devrait passer. Je vais peut-être quand même mettre Maxwell, notre milieu offensif gauche, en équipe senior. Enlever Price peut-être, voilà. Allez, continuer. Price qui nous aura quand même bien aidé sur le dernier match. On va augmenter peut-être un peu plus Darcy Brown au niveau de l'effectif en équipe réserve. Passer à 60 minutes. On fera certainement une réunion avec les joueurs avant le match pour dire de les motiver, pour dire qu'il y a de l'enjeu et qu'il faut impérativement gagner. Allez, on n'est plus qu'à 7 jours, 7 jours de la dernière journée. Sur ce match décisif, décisif contre Borf. Alors, Dantordic, oh, pas mal du tout. Liba 7, ok, je ne me souviens pas d'avoir fait un truc sur lui, mais bon. Richard Wiseman était plutôt pas mal aussi. Donc ça, c'est tous des joueurs pour la saison prochaine. Allez, continuez. Continuez. Boîte de réception, ok. Donc là, il n'y a trop rien à faire, juste que l'équipe s'entraîne. Là, au niveau de la cohésion d'équipe, on est à 26%. Et au niveau de l'harmonie de l'effectif, on est à 53%. Il va falloir vraiment se méfier. Je pense que si on fait une réunion avec les joueurs, je pense que ça pourrait peut-être faire quelque chose. Et il commençait à y avoir des grosses offres pour Preach. Là, c'est un club de deuxième division qui a fait une offre. Donc Preach qui commence vraiment à être demandé.
Il tient notre défense à lui tout seul, donc bon, c'est un peu normal. Ok, continuer. Allez, j'espère sincèrement qu'on fera un résultat contre Bors. C'est primordial. Primordial pour la montée. Organiser une réunion avec les joueurs. Oui, bah, sans j'allais le faire. Preach, ok. Allez, petite réunion avec les joueurs. J'espère qu'ils vont tous bien réagir. Le titre ne dépend plus de nous, ce qui est décevant étant donné nos attentes de début de saison. Alors je compte sur vous pour faire le boulot lors de ce dernier match et éviter toute mauvaise surprise. Bah si, on est toujours premier de toute façon. Là, on est toujours premier, là, compétition. Bah ouais, on est toujours premier, donc j'ai pas à dire ça. Non, ça je peux pas dire ça. Je peux pas dire ça parce que si je dis personne ne s'attendait à ce qu'on se mêle à la lutte pour le titre cette saison, alors ne pensez pas trop aux chances que vous avez de remporter le championnat. Vous avez déjà fait un bon parcours, fantastique. Là, ça veut dire baisser les bras, les gars. Donc là, c'est mort. Là, il dit qu'il faut rester concentré et qu'il reste une possibilité de remporter le titre. Nous ne sommes pas dans une position idéale pour remporter le titre lors de cette dernière journée. Bah si, on est dans une position idéale. Mais il faudra tout donner et espérer que la réussite sera de notre côté. Donc là, c'est un peu défaitiste. Le titre ne dépend plus de nous, ce qui est décevant. Ce qui est décevant, non, je peux pas dire ça. Non, je vais dire, il reste une possibilité pour que le titre se joue lors de la dernière journée, mais il faut rester concentré et faire un bon match. Bon, il n'y a que Steve Brown qui a mal réagi. Alors c'est exactement le genre de réaction que j'espérais. Je suis très satisfait qu'une partie d'entre vous soit d'accord avec moi. Voilà, donc il n'y a que Steve Brown qui a pété un câble. J'espère franchement sincèrement qu'on fera un résultat. Le moral en tout cas, il est bon. Le moral, il est bon. La tactique, elle est apprise quasiment par cœur. Là, on a sûrement augmenté. Ouais, 53. On est logiquement favori, 1,33. Allez, conférence de presse. Tout va se jouer sur la dernière journée de la saison. Votre équipe est-elle capable d'obtenir le résultat qui lui permettra de remporter le titre? Je pense que nous en sommes capables. Nous avons travaillé dur toute la saison pour en arriver là et nous allons tout faire pour terminer le mieux possible. Liam Brobinet Blackburn est dans une forme extraordinaire depuis quelque temps et plusieurs clubs le suivraient de près. Les supporters se posent tous la même question. Allez-vous pouvoir le conserver au club? Liam est bourré de talent. Il est donc normal qu'il attise les convoitises, mais il est sous contrat et n'a pas l'intention de quitter le club. L'équipe de Pennybont, également à la lutte pour la montée, est opposée à Waterloo Rovers et tentera de ne pas perdre de terrain sur ses adversaires. Comment la voyez-vous figurer dans cette rencontre? Je vais leur mettre la pression, je vais dire qu'ils devraient finir vainqueurs facilement. Alors, étant donné l'importance de la prochaine rencontre pour les deux équipes, les supporters de Shurstock voudront absolument un bon résultat. La pression liée à l'enjeu d'un tel match a-t-elle un impact sur votre préparation? Je vais mentir, je vais dire que c'est le genre de pression que j'adore. Il faut changer de conseiller d'orientation si vous ne... Voilà. Mais le fait est que les entraîneurs craquent souvent sous la pression. Vous semblez gérer cela plutôt bien. Mais qu'en est-il de Rhys Black? Voilà. Allez, c'est parti. Pression, pression énorme. Est-ce qu'on va réussir à garder notre première place? Est-ce qu'on va réussir à monter? Est-ce qu'on va pas descendre de ces montées, de ces deux places synonymes de montée? On verra.
Allez, c'est parti. Bors qui joue contre nous, donc on joue contre le 14e. Abermule qui jouera contre Kerry, qui est 12e ou un truc comme ça. 13e, qui est 13e. Donc là aussi, Abermule est favori aussi pour gagner. Moi, je suis favori pour gagner contre Bors. Et après, il y avait l'équipe de Pennybont qui joue contre Waterloo Rovers chez le 7e. Donc peut-être un match un peu plus difficile pour Pennybont, mais ça veut rien dire. Ça veut strictement rien dire. Allez, c'est parti. Je vais regarder quand même au niveau des remplaçants si j'ai tout bien mis. Maxwell, ok. Rhys, ok. Ok, donc là, je pense que je peux pas faire mieux. Allez, c'est parti. Pression énorme pour ce dernier match. Pression énorme. Le minimum, ce serait de monter, j'ai envie de vous dire. Mais après, on peut également viser le titre. On peut également viser le titre. Allez, petite interview. Cette dernière journée va encore une fois être palpitante. Pensez-vous avoir tout fait cette saison pour être couronné champion au coup de sifflet final? C'est aujourd'hui que l'on va voir ce qu'on vaut vraiment. Notre destin est entre nos mains. À nous de nous serrer les coudes pour finir le boulot. Allez, c'est parti. C'est parti. Allez les gars, nous sommes favoris. Je sais que vous pouvez faire mieux. Je sais que vous pouvez faire mieux. Et je sais que vous pouvez faire mieux. Allez, c'est parti. Pression énorme. Pression énorme pour Bors sur ce dernier match. Je laisse le classement sur le côté, voir ce que nos adversaires vont faire. Et c'est parti. Jackson, Evans, Rhys, James, Shepard, Simons, qui va lancer McDowell dans le dos de la défense. McDowell cherche un soutien. Non. Allez, on est toujours leader. Apparemment, toujours 0-0 dans les autres rencontres. Abermule est en train de gagner. On passe second. On passe à la seconde place. Bromley Blackburn, Preach, Brown, Finn. Allez, ça tourne bien. Faut pas la perdre. Hall. Hall. Remet derrière. Bromley Blackburn avec Brown. Prendre le centre. Et la finition de McDowell qui nous permet de retrouver peut-être notre place de leader. Voilà, on reprend notre place de leader. Allez, ça fait un but à zéro. On reprend notre place de leader pour le moment. À la différence de but, on est devant Abermule, qui, je le rappelle, gagne toujours un but à zéro contre Kerry. Allez, il faut garder ce score. Impérativement garder ce score. Apparemment, Abermule est en train de faire match nul. Match nul d'Abermule. Donc pour l'instant, tout va à notre avantage. Simon Sprint, faut pas la perdre. Bromley Blackburn. Hall. Bromley Blackburn. Long ballon, ça passe pas. Allez, pour l'instant, on est champion. Pour l'instant, on monte. C'est récupéré par Preach, Simons. Il serait pas mal d'en mettre un deuxième. Ouais, ça c'est bien joué avec Shepard. Shepard, le décalage, le centre. Un corner. Finn, le centre. Ouais, McDowell qui fait un bon match. Qui va récupérer la balle. Brown, Pitch. Allez, toujours un but à zéro. Green, Hutton. Allez, peut-être un contre à négocier là. Peut-être un 2-0. Attention à ne pas regretter toutes les occasions manquées.
Ça pourrait peut-être être préjudiciable si on revient au sport. Allez, all, in. Non. Non, 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 attention la pompe. Je sais pas, ma botte, folle. Attention au coup franc bien placé. Non, c'est bon. Allez, on est toujours premier. Donc là, c'est la mi-temps. On a fait la moitié du chemin. On est toujours premier. Apparemment, Habermühl est en train de perdre. Et Pennybont, apparemment, j'ai pas bien regardé, mais je pense qu'ils sont à 3 points de nous. Donc pour l'instant, tout va bien. On est champion pour le moment. Mais attention à ne pas se relâcher. Il reste encore 45 minutes. Allez, on est à 45 minutes de la délivrance. Hutton. Hutton, bonne passe. Simons. Simons, le centre. Non. Non, 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 non. Habermühl et Pennybond toujours à 46 points. Pennybond qui gagne 1-0. Pennybond qui gagne. Pennybond qui gagne et qui récupère la deuxième place. Habermühl descend troisième. Habermühl descend troisième. C'est là une grosse surprise. Simons. Non, 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 non. Allez, corner. Corner pour Bors. Voilà, c'est récupéré par le gardien tranquillement. Et Habermühl qui perd sa place. Oh là là, c'est un truc de ouf. Griffiths remet derrière en retrait. Allez, il faut aller dessus. Pas le laisser le temps de faire une passe. Voilà, ça c'est bien joué. Price, Jackson, Evans, la tête de Pritch, il a joué. Allez, Bromley Blackburn. Attention, pas de perte de balle, Prine! Et un but, ils ont égalisé. Ils ont égalisé, on a perdu notre place de leader. Pour le moment, on perd notre place de leader sur cette gourde de Prine. Donc là, je pense que, à mon avis, ce que je vais faire, c'est que Maxwell. Je vais le faire rentrer à la place de Hall et peut-être mettre Paul Rice ensuite. Attention, attention, c'est pas terminé. C'est loin d'être terminé. Si Habermühl gagne, on se retrouverait troisième. Ce serait catastrophique. Ce serait vraiment catastrophique. On va essayer d'être un peu plus structuré et on va demander à l'équipe, on va encourager l'équipe. Allez, il reste quelques minutes à jouer. Brown. La tête, encore une fois, c'est récupéré par Maxwell. Allez, long ballon devant. Hutton. Hutton. Oh là là. Allez, Brown. Brown le centre. La tête. Dégagée sur la ligne. Attention à ce corner. Surtout pas perdre. C'est dégagé. Allez, on va peut-être faire un changement. On va mettre Paul Rice à la place de Simons. On va lui demander de faire la différence. Attention, attention! Et on perd 2 buts à 1. Attention! Aïe, aïe, aïe! Si Habermühl revient, on peut descendre à la troisième place. C'est catastrophique ce qui se passe en ce moment.
Penny Bond qui gagne 3-0. Donc là, à mon avis, je pense que Penny Bond, je pense qu'ils vont terminer champion. Là, ce qui serait intéressant de voir, c'est match en cours. Match en cours. Je sais que ça fait plusieurs écrans, mais je suis un peu désolé. Oh là 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 là, ça se joue vraiment à rien. Ça se joue vraiment à rien. Si Abermule égalise, on est troisième. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Il reste 6 minutes de jeu. Ça fait toujours 2 buts à 1 avec Abermule. Peut-être faire un changement, mettre Rice. Allez, c'est récupéré. Maxwell, il faut marquer. Oh là 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 là. Ouais, donc là, il va y avoir le changement. Allez, on va essayer d'aller chercher quand même ce résultat. Toujours 2-1 pour Kerry. Toujours 2-1 pour Kerry, ça change pas. Il reste 4 minutes de jeu, 3 minutes. On est toujours au deuxième. Brown qui écarte pour Sheppard. Il faut égaliser Sheppard. Allez, la tête. Oh là là. Allez, il reste quelques minutes. Abermule toujours en train de perdre. J'espère vraiment que ça va rester comme ça. Allez, Sheppard, allez. Allez, c'est récupéré. Brand, Rhys, qui lance Rhys, le note jeune. Portez-vous à l'attaque, confirmé. Toujours 2-1 pour Kerry. Rich. Bromley Blackburn, Prine, Clark, Morgan, Clark, Kerry, toujours 2-1, ça change pas, on est toujours deuxième. Bermude, toujours 2-1. Enfin, ça joue à un but, hein. Ça joue à un but, hein, seulement. C'est un truc de ouf, hein. Un truc de malade. On s'expose, mais un truc de ouf, quoi. Maxwell. Creed, ça c'est bien joué. Brand. Allez, Brand, quelque chose. Non. Toujours 2 buts à 1. Allez, 30 secondes de jeu. C'est dégagé. À mon avis, on va rester là-dessus. Donc pour le moment, à Bermule, toujours 1-2. Voir si le match est terminé. Donc apparemment, le match est terminé. Le match est terminé. Donc on finit deuxième. On finit deuxième du championnat. On aurait pu mieux faire en gagnant ce match. Mais le minimum est fait, le minimum est fait. On est en Ligue 1 de Midwallès la saison prochaine. Donc voilà, c'est un gros ouf de soulagement. Un gros, 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 gros ouf de soulagement. On monte cette année. Donc voilà, c'était le minimum. C'était franchement le minimum à faire. On a réussi. La Ligue 2 de Midwest n'est plus qu'un rêve. Penny Bond remporte la Ligue 2. La montée pour Sherstock. Sherstock a obtenu son ticket pour la montée en terminant deuxième. Le rideau tombe. Alors, les supporters de Sherstock sont fous de joie après la promotion décrochée par Nicolas Delaporte et ses joueurs à l'issue de la saison de Ligue 2 de Midwest. Un porte-parole du club de supporters officiel a déclaré que Delaporte était le genre d'entraîneur qui s'épanouissait sous la pression inhérente à la réussite du club. Les dirigeants de Sherstock ont fait part de leur satisfaction d'avoir obtenu la montée et ont déclaré que tous au club étaient impatients de voir l'équipe évoluer au niveau supérieur la saison prochaine, c'est clair.
Dans un court communiqué, un porte-parole du club a indiqué que l'entraîneur devrait être félicité pour avoir tout mis en œuvre afin qu'un club de l'envergure de Churstock ne reste pas plus longtemps en Ligue 2. Bon, et bien voilà, on a réussi à monter cette saison, donc c'était le minima qu'il fallait atteindre. On a réussi à le faire. Une saison difficile, poussive, qui a tenu franchement toutes ses promesses jusqu'à la fin du championnat. Au niveau du bilan, un effectif qui ne devrait pas trop tourner cette saison, pour la saison prochaine, peut-être trouver mieux offensivement. Simons qui a été un petit peu en demi-teinte cette saison, qu'on n'a pas trop vu comparé à la saison dernière. Une défense qui a été à ses limites cette saison. Je pense qu'on aurait pu mieux faire quand même. Bon, Bromley Blackburn, Preach, je pense que c'est une charnière centrale qui peut encore tenir le coup la saison prochaine. Williams, pareil, donc on a vraiment un trident qui est bon. Prince, ça devrait être bon. Peut-être recruter un peu en milieu centre. Mais bon, les principaux changements à faire, c'est surtout sur le flanc de l'attaque. Peut-être changer les ailiers. Et d'ailleurs, je suis sur un ailier pour remplacer Simons. Peut-être renforcer les milieux centres, mais l'effectif restera, je pense que l'effectif restera à peu près le même que cette saison. Au niveau de la tactique, on est super avancé, donc ça c'est vraiment cool. Niveau staff, on est super bien, donc là aussi c'est nickel. En termes de finances, donc la saison dernière, donc on avait eu un financement, on avait eu une dégringolade. Ensuite de ça, il y a eu la construction du stade. On a renfloué dans les caisses grâce à un nouveau président. On dirait que financièrement, on est plutôt à la stabilité par rapport à la saison dernière. Mais voilà, avec les travaux concernant le stade et le prêt qui a été contracté, restez quand même vigilant. Voilà. Donc financièrement, restez vigilant quand même malgré qu'on est plutôt pas mal. En termes de public et tout ça, j'espère qu'on va essayer d'avoir plus de public, peut-être plus d'abonnés, ça serait vraiment cool. En sachant qu'on avait commencé à 62 abonnés, aujourd'hui on est à 69. Donc voilà, essayer d'avoir de plus en plus d'abonnés, ça serait cool. Voilà, donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Trop rien. Concernant l'équipe des jeunes, une bonne année concernant les jeunes, il y a une progression assez bonne. L'équipe réserve, je crois, qui termine 5e ou 6e, donc à peu près sur les mêmes bases que la saison dernière. Et les U19 ont terminé 4e, je crois, donc meilleur que la saison dernière. Donc voilà, là aussi, il va y avoir des changements au niveau des U19 et de l'équipe réserve. Il y en a sûrement qui monteront en équipe réserve. Il y en a sûrement que je vais virer. Donc on aura sûrement une équipe U19 un peu amoindrie la saison prochaine. Mais voilà, une équipe de jeunes qui évolue quand même pas mal. Donc ça aussi, c'est plutôt cool. Et voilà. Donc, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo qui a été un tout petit peu plus longue que habituellement, au vu de l'importance de la saison. On se retrouvera donc, en Ligue 1 de Midwales la saison prochaine. Et je vous remercie encore une fois d'avoir suivi. De suivre ma carrière. C'est super sympa d'avoir tous ces retours positifs. Voilà. Et je vous dis donc à très bientôt en Ligue 1 de Midwest. Salut!